s'occupe de vous ? Comment ? On s'occupe de vous ? Oui, c'est bon. T'as combien de mois, ça ? 8 mois. Tu vois le vent ? Comment ? Tu peux voir le vent ? C'est... les vitraux ? Non. Réel ? Oui. Le... normal, je veux dire. Vous avez quoi comme téléphone, GSM ? Quoi ? Vous avez quoi comme GSM, téléphone ? Téléphone portable ? Téléphone ? Oui. Normal ? Oui, oui. Smartphone ? Je vois le téléphone ? Oui. Le bébé ? Hein ? Le bébé ? Oui, oui. Le bébé ? Le bébé ? S'il te plaît ? Hein ? Le bébé ? Vous désirez régler comment ? L'espace. Ok. Combien il fait ? Et voilà, il est là. Une fauteuil de 359 €. Regardez, mettez, trouvez qu'elle chauffe pour 200. Vous n'allez pas mettre encore 159 ? Non, non. En fait, au plus ils auront du pognon, au plus ils pourront acheter de trucs, au plus ils seront contents. Ça, c'est sûr et certain. Ça, je le vois vraiment à la tête des mères. Parce que moi, je peux dire à la maman, quand elle viendra chercher, que j'ai proposé que vous preniez le fauteuil d'allaitement à 359 et que vous, vous avez voulu donner que 200. Et là, ça va pas lui faire plaisir. Hein, là. C'est un peu une liste de merde, hein, donc les gens donnent peu. Hein. Les gens font en fonction de leurs moyens. Hein. Ouais. Wow. Maman, c'est un peu regarde, un ça vient. T'es où ? Excusez-moi, vous avez que cet employé. Hein. On m'envoie quelqu'un de compétent ou je m'en vais. Vous voyez avec lui, je ne vois pas être lui, moi. C'est malade, ce type. C'est pas du travail, ça. Il est nerveux. Pardon ? Il est nerveux. Oui, alors... fermez-la, fermez-la, je vous apprêterai. Oh, oh. C'est quoi ce bordel ? Je ne comprends pas comment elle travaille. C'est un magasin, je m'en bats les couilles, moi, c'est un magasin. Elle est occupée en me foutant un souk, l'autre, là ? Chloé, pose. Putain de putain de putain de putain de putain de putain. Je rêve, là, j'hallucine. Et il faut tout remettre aligné, hein. Ça doit être impeccable, hein. Il faut tout remettre comme c'était avant, hein. Ça c'était au-dessus. Tout remettre comme c'était. Allez. Tout, tout, tout. Non mais c'est pas ma fille qui a fait tout ça, hein. Je suis désolée, hein. Bon. Non mais, je travaille dans le commerce, hein, c'est comme ça. Peut-être que le contact client n'est pas mon point fort. Pas du tout, non. Parce que ma fille, elle n'a pas fait tout ça. Je suis désolée. Hein. Et déjà, qu'est-ce que vous avez besoin? Venez tous avec vos enfants ici, quoi. Bah, quand je vais changer mes pneus, je prends mes enfants. Hein. Deux enfants pour venir acheter un... Allez, je vous emmerde, monsieur. C'est clair? Ah, j'ai pas entendu. Je vous emmerde. Ça, c'est à vous à voir. Oui, oui. Bon, les figurines, là, elles vont pas se remonter tout de suite. Elles n'ont pas l'option j'escalade et je me remets moi-même. Écoutez, moi, je suis pas votre copine. Vous me connaissez très mal, d'accord? Je vais chanter. Non, non, mais je rigole pas, moi. Parce que je vais vous mettre une droite, vous allez rien comprendre. Vous me connaissez très mal. Ouais, je suis désolé. Voilà, moi, je suis là pour vous aider. Vous me dites ce que vous voulez. Alors, si vous avez des explications. C'est ça que je te montre. Quoi? Le baby cam. Baby vidéo cam, 220. Ça, c'est très sympa. Allez. Hein? Vas-y, prends ça. Ils vont être enchantés. Donc ça va être un beau cadeau de naissance qui va être vraiment content. Je vous remercie infiniment pour la vente. Je me permets de vous serrer la main ? Il n'y a pas une carte ou quelque chose à remplir ? Oui, je peux vous donner une carte à remplir, bien sûr. Vous les connaissez bien, ils sont des amis à vous ? Oui, justement. Ouais. OK. Elle est très sympa et lui aussi est très sympa. Tous les deux, très sympa. Moi, j'aimerais bien être ami avec lui aussi. Une fois qu'on a clôturé, parce que je veux pas qu'il y ait l'histoire. Là. Il faut me laisser que je suis en clientèle avec des gens qui en plus j'ai énervé le monsieur et que maintenant on a fait la paix, donc j'ai pas trop envie de commencer à discuter maintenant. Et je pense que ça va me devenir des amis, donc il faut me laisser. Non, et moi, c'est ça que je disais, une fois que ça c'est fini, moi je voudrais qu'ils deviennent des amis à moi. Comme vous. Et on peut communiquer par Facebook, si vous voulez. Non, je crois pas, non. Non ? Bon, j'encaisse alors. Si, un bébé. Alors ? Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce qu'il a, le bébé ? Je crois qu'elle est en train de faire caca. Ah, elle est rouge, ah. À mon avis. Ouais, elle est occupée à se chier dessus. Je pense. Elle se chie dessus, on le voit. Il va falloir changer le linge. Ah oui. Vous avez été pro à quel âge, vous ? Oh, je sais plus.
Je sais, il faudrait demander à ma mère, mais bien plus tard. Ouais. Moi, je ne le sais toujours pas, donc. Elle est passée, je me réveille 4h au matin. Ma femme me dit, il y a une drôle d'odeur. Ah oui? Directement, réflexe, je touche. Je check, je pars en OPEC, en opération commando. Je fais, ouais, C'était open bar dans ma culotte. Une giclée royale, il y en avait partout. Et ma femme, c'est la nuisette à ma femme. Qu'est-ce que t'as de nouveau fait, Dominique? Je dis, écoute, je suis fait dessus. On a de très beaux draps beige. Dommage. Dommage. Ben, t'es pas contente du tout. Ouais, qu'est-ce que t'as fait? T'as nouveau fait tes selles dans le lit? Ça, j'ai dit, de ton plus bas. Hein. Il n'y a pas marqué. En fait, ce qu'ils ont pensé, j'ai rêvé que j'étais oui, en selle. Oui, ça arrive, ça. Et j'étais pas en selle. Ça arrive. Ah oui, t'es chez vos parents, et manger de l'eau sous bouco. Ouf, malheureuse. Malheureuse. Et comme moi, j'aime bien m'habiller avec des tons pastels, ça pardonne pas. Hein. Non, forcément. Bonjour. Je viens retirer sur la liste de ma sœur des choses et rajouter une chose. Ok. Elle a noté, hein, je crois. Oh, toi, non. Tu me casses les pieds, hein. Je m'excuse, hein, madame, mais... Arrête, hein. Il vous casse les pieds. Je me calme. Je tiens à rien. Là-bas, vas-y. Ne lui parlez plus mal ou c'est moi qui m'énerve. Je vous assure. Hein. Non, c'est pas ça. Non, mais ne parlez plus mal à mon fils, c'est moi qui m'énerve. C'est la voix qu'il utilise. Il dit juste qu'il veut manger un bonbon, ça me regarde. Vous vous énervez pas après mon fils. On est bien d'accord? C'est moi qui m'énerve. D'accord. Ok? Bon. Non, c'est juste casse-couille. Quand il arrive, comme ça. Vous travaillez peut-être pas au bon endroit, je pense. Hein. Oui. Alors, on va s'arranger, on va faire notre petit bazar. Il ne faut pas que les petits commencent à les couler partout. Prends les enfants et tu les amènes à la voiture. Oui, je préfère. Vous les mettez où? Dans le coffre et puis vous revenez et puis nous, on continue notre truc. Mets-y là dans le coffre. Vous m'encaissez le truc ou pas, là? On est gâté. Ah, c'est sûr que vous, il n'y a personne qui vous veut, hein. Bizarre, c'est sûr. Hein. Ah, moi, je n'ai pas eu d'enfant. On va droit dans le mur, hein. Je n'ai pas eu d'enfant, moi. Ça sert à rien. Ben vous aussi, vous servez à rien, je pense. Hein. Je pense qu'ils ont fait une grosse erreur de vous embaucher ici. Hein. De toute façon, à la fin du mois, je suis dehors. Ah, ben voilà. Ils vous gardent jusqu'à la fin du mois. Eh ben, ils sont bien gentils. C'est bien gentil, la responsable. Hein. C'est madame. Je sais, c'est madame, je la connais. Je viens souvent ici. Elle m'a engagé sur photo. Ah, sur photo. Eh ben, putain, la gueule de la photo. J'ai la photo, je l'ai ici encore. Bon, on s'en fout. Je peux payer ça ou pas, là? On y va. Elle a drôle de caractère, votre fille. Hein. Oui, oui. Ouais. Allez, tu m'encaisses ou pas, là? Eh, je suis pas ta copine. Hein. Oui, ah ben non, non, un copain comme toi, je me pends. Hein. Oui, c'est ça, tu dis ça. J'ai déjà rendu des femmes heureuses. Hein. Qui? Votre chienne? Parce que je sais pas qui vous allez rendre heureux, vous. Hein. Bah, ma chienne, ouais. Ah ben voilà, c'est tout. Ma chienne de femme. Ah ben c'est bien, en plus vous avez aucun respect. Non. On n'en a jamais eu pour moi, je n'en ai pour personne. Ah ben c'est bien, moi j'en ai pas pour toi du respect, ça c'est sûr. Ça c'est le moustiquaire universel blanc. Hein. Et ça, qu'est-ce que c'est de bordel? Vous vous foutez de ma gueule, là. Ouais, en partie, ouais. Vous vous foutez de ma gueule. D'accord. Un petit peu, quoi. Cool, quoi. Non, mais vous avez un problème. Vous avez un gros souci, là. Oh, donnez-moi ça. Calme. Donnez-moi ça. Se calme. Donnez-moi ça. Oh, se calme. Mais vous êtes qui, ici? Vous êtes un vendeur? Je suis le big boss, madame. Vous êtes le big boss? Je suis le big boss. Eh, ben écoute. Eh, toutes les gonzesses qui se trouvent que vous voyez ici, c'est mes employés. Hein. Taisez-vous, je vous assure, je vous en mets une et j'appelle les flics. Si moi, je ne les payais pas à la fin du mois, elles crèveraient la gueule ouverte. Hein. Excuse, hein. Allez attendre dans le coffre avec les enfants, madame. Nous, on va terminer. Non, ça va finir, on va y aller. Donnez-moi ça. T'as deux secondes, je ne suis pas la maman, là. Non, ma maman, elle est la mère, et vous me donnez ça. On est cool? Bah, tu laisses tout et t'en vas. Elle vient de reprendre son. Cool, hein, Donnez-le. Je le pointe. Eh, il faut un peu la calmer, Yamina. Non. C'est vous qui l'avez mis hors d'elle. Je sais pas comment l'avez éduquée, mais... Non, elle est très bien éduquée, c'est là. Que... Là, on s'en va, maintenant, je lui mets les mains dessus. Les enfants, vous arrêtez. Vous arrêtez, ici, les enfants. Je te jure, je casse tout dans son magasin et je lui mets les mains dessus. Tu me donnes ma clé, on s'en va. Les enfants, vous arrêtez de tourner en rond. Parlez pas comme ça à mes enfants ou je vous en colle. Je dis ça gentiment. Ok? Je dis ça gentiment. Taisez-vous. On arrête. Fermez un peu votre gueule, parce que moi aussi, je la ferme. On arrête. Cool.